Dans les méandres troubles de l'histoire, l'eau, source de vie, se teinte de désespoir. Elle devient le témoin de luttes incessantes, suscitant des conflits, des guerres déchirantes. Les rivières deviennent frontières incertaines, divisant les peuples, semant la discorde et la peine. Elles sont des lignes, tracées dans la boue, où se perdent les espérances et les rêves les plus doux. Pourtant, au-delà des turbulences des guerres, l'eau reste un espoir, une promesse sincère. Elle peut unir les peuples, apaiser les cœurs, effacer les frontières, panser les douleurs. L'eau, source de vie, doit être un lien, un symbole de paix, de fraternité, un destin. La pierre Saint-Martin. La pierre Saint-Martin, c'est ce décor incroyable avec ce lapis, ce calcaire. À deux pas, le gouffre Fertel. Un peu plus loin, celui d'Escurets. C'est ici le royaume des spéléologues. Sur ce terrain, si calcaire côté français, l'eau ne connaît pas de frontières. Elle s'infiltre côté français pour réapparaître côté espagnol et y créer des sources dans le lieu dit La Contienda. Les bergers de Barretus doivent donc traverser la frontière pour faire abreuver et faire paître leurs troupeaux. Cela ne s'est pas toujours déroulé calmement. En 1373, un berger d'Arrête et un berger d'Issaba se disputent l'utilisation de la source du pic d'Arlas. Cette dispute dégénère et débouche sur l'assassinat du Béarnais par le Roncalais. Les deux vallées s'enflamment, animées d'un esprit de vengeance. Il s'ensuit une guerre fratricide entre les habitants de ces deux vallées. Les délégués royaux et épiscopaux se réunissent une énième fois à Anso et se mettent enfin d'accord. Après d'innombrables discussions qui désignèrent les habitants de Barretus comme responsables, la paix fit son retour. En réparation du sang versé et en rétribution du droit de pacager dans les vertes prairies de Navarre, il fut décidé que les habitants de Barretus remettraient à perpétuité à leurs homologues navarrais trois génisses de 2 ans au plus et sans aucun défaut. Tous les 13 juillet, à la mairie d'Arrête, règne une ambiance particulière. Voilà, je viens de m'habiller en habit traditionnel, comme le faisaient bien tous les maires qui m'ont précédé, il y a quand même quelques années. Enfin, on suppose que c'était à peu près comme ça, d'après les documents que nous avons. Finalement, à partir des années 1950, cet habit traditionnel a été délaissé, et les gens se sont habillés comme ils le voulaient, et on a eu presque une armée mexicaine de barretounais qui sont montés le 13 juillet, les uns habillés avec des costumes bleus, d'autres des costumes beiges. Il y avait juste l'écharpe tricolore pour rappeler qu'ils étaient des maires. Et en 2008, lorsque je suis devenu président de la communauté de communes, pour répondre à une demande qui était quand même réitérée plusieurs fois, on s'est dit que ça serait bien qu'on soit tous habillés un petit peu de la même manière que le sont nos homologues espagnols, les alcaldes, en habit traditionnel. Alors voilà, donc on a pris la décision de s'habiller tel que je suis aujourd'hui. Tu vois, Eric, on a une bien belle journée devant nous. Je ne sais pas si le soleil sera au rendez-vous en haut du col. On peut l'espérer, mais malheureusement, le plafond m'a l'air un peu bas. Mais bon. S'il n'y a pas le soleil, je peux te garantir qu'il y aura moins l'émotion, parce que c'est assez curieux. Pour moi, c'est déjà là, la 23e junte, et toujours la même émotion. Alors toi qui es spéléo, tu vas le comprendre, hein, le sentiment d'être un petit chaînon au milieu d'une grande chaîne humaine, puisque depuis 1375, t'imagines bien, 647e junte aujourd'hui. Donc, quand même, oui. Le sentiment d'appartenir à une drôle d'histoire, et une histoire qui repose sur quelque chose qui n'existe plus trop aujourd'hui, le respect de la parole donnée. Voilà. C'est sûr, il n'y avait pas trop d'écrits, mais les gens montaient quand même, alors dans d'autres conditions qu'aujourd'hui, les représentants des communes montaient à pied, bien sûr. Donc 25 km à faire, ils partaient à 5h du matin pour arriver à midi, à tel point que parfois les maires étant un peu âgés envoyaient les plus jeunes pour représenter la commune. Ah d'accord. Alors ces jeunes-là,
Évidemment, il festoyait. Après le traité, il revenait un peu comme il pouvait. Allez, je t'invite, on va aller voir les élus qui, justement, avec avant plaisir. De monter, sont en train de se restaurer eux aussi. D'accord, allez, super. On y va. Une bonne odeur d'œuf ventrèche, là. Ouais, je pense que nos amis doivent être en train de prendre des forces. Alors, les amis, c'est pas trop dur ? Hein ? Bonjour. Ah, on a repris des forces. On est prêts ? On est prêts. Voilà. Bon. On peut y aller. On peut résister. Et bien, si vous êtes prêts, moi je ne le suis pas. Donc, vous allez être obligé de vous quitter assez rapidement pour aller installer la. Moi, je sais pas ce que tu veux. Ah, ben oui. Soit pas encore, mais je suis un peu au régime. Hein. Allez, à tout à l'heure. Hein. Oui, bah, au revoir. Merci. Au revoir. Avant toute manifestation, une messe en basque, en béarnais, en espagnol et en français est célébrée. Et que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Deux mots sur le déroulement du traité qui se passe ici autour de cette borne 262. Qui est une des 600 bornes qui sont tout au long de la frontière pyrénéenne, depuis Andaye jusqu'à Collioure. Mais c'est certainement la plus célèbre, puisque les gens se retrouvent ici, les élus, à midi juste, mais vraiment précise. Eh bien, les maires français des 6 communes de Barétous, à savoir Féas, Ans, Aramitz, Lannes, Arrête et Issor, sont là et attendent que les élus de la vallée de Roncal les rejoignent. Et c'est immuable, chaque fois, c'est le maire d'Issaba qui prend la parole et qui demande si l'on vient, comme chaque année, disposer à honorer le traité. Et on répond « si, seigneur ». Alors, ça n'est pas qu'on soit sourd ou qu'on ne comprenne pas la question, mais elle est posée trois fois. Une fois que cela est fait, eh bien, il y a la lecture de l'acte, proprement dit, et qui résume bien que l'on est venu, comme d'habitude, que l'on a... promis d'honorer le traité, que trois vaches ont été choisies et ensuite toutes les personnes qui sont autour de cette borne vont signer le registre et c'est une belle trace d'ailleurs pour l'histoire future parce que les historiens ont pu ainsi retrouver les représentants de chacune des communes. Bien, bonjour à tous et bienvenue au col de la Pierre Saint-Martin. Buenos días a todos y bienvenidos aquí en el puerto de la Piedra San Martín. Dans quelques minutes aura lieu ici autour de cette borne frontière numéro 262, la traditionnelle cérémonie de la junte de Roncal, appelée aussi tribu des trois vaches. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin, avec madame la préfète de Rouen-Sainte-Marie, pour cette belle tradition qui plonge ses racines dans l'histoire de ce territoire, qui est une belle histoire de fraternité et d'union, donc très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour ce moment important. Délégation espagnole nous rejoint. Alors maintenant, ça va être très précis, monsieur le préfet, vous allez voir. Alors, on n'existe plus, on n'existe plus. C'est les Espagnols qui prennent la main. Venir dispuestos a pagar el tributo como en años anteriores. Sí, señor. Venir dispuestos a pagar el tributo como en años anteriores. Sí, señor. Venir dispuestos a pagar el tributo como en años anteriores. Sí, señor. Pasaban. 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 Feliz. Echas un poco para atrás, es que he hecho mal. Oh.
Autre élément important de la cérémonie, on fait appel à deux gardes français et deux gardes espagnols qui sont là pour surveiller la frontière et éviter qu'il y ait de nouveau des litiges. Donc ils sont là pour veiller à ce que les troupeaux restent chacun dans leur pays. Et donc on leur demande de prêter serment en disant, bon, voilà, vous êtes en charge pour un an de cette surveillance, et si vous ne le faites pas bien, Dieu l'exigera, ce qui veut dire que ben, certainement, ben, il y aura des conséquences autour de cette négligence. Juráis por vuestra conciencia y honor desempeñar el cargo fielmente. Sí, señor. Si es así, si lo hacéis así, seréis premiados, y si no, demandados. De todo lo cual, yo, el secretario de la Junta Federal del Valle de Roncal, certifico. A firmar. Les Espagnols d'abord. Les Espagnols d'abord. Monsieur Lacour, merci d'être là. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Okay. Allez, allez. Groupir. Il faut la payer quand même. Ouais. Il faut la payer quand même. Et ce que je dois à la vérité avouer également, c'est que le cérémonial a été très allégé parce qu'en 1375, c'était plus dans l'agressivité, c'est-à-dire les élus espagnols venaient planter leurs lances côté français, puis il y a eu des tirs de mousqueterie, donc il y avait vraiment le sentiment que les Français étaient humiliés, hein, on tirait en direction de la France, et je ne sais pas si les Français le vivaient très bien tout ça. Alors aujourd'hui c'est devenu un hymne à la paix, hein, c'est un très beau symbole de l'Europe, de ce qu'elle doit être, c'est-à-dire un rassemblement de peuples unis, et c'est vraiment un hymne à la fraternité. Deux mots, j'allais dire, sur l'essentiel du traité, c'est-à-dire ces trois vaches. Alors les vaches ont toujours été des symboles très forts de l'identité béarnaise. Hein. Le drapeau béarnais, c'est bien sûr deux vaches, c'est pas trois vaches, deux vaches qui sont là. La monnaie béarnaise au 14e et dans les siècles suivants a été la baqueto, c'est-à-dire la petite vache. La vache a toujours été quelque chose de très important dans l'économie. Et, ça a été ce qui a été estimé comme étant le plus juste par rapport au paiement de l'eau et au paiement de l'herbe. Ça vaut quoi trois vaches aujourd'hui? Ben, aujourd'hui c'est 1500 euros puisque le prélèvement ou le choix des vaches relève du symbole. Hein. Longtemps ça a été une réalité, ces vaches étaient données et parfois même il est arrivé que certaines reviennent. Et oui, le choix des vaches a bien changé. Il y a quelques décennies, cela ressemblait plutôt à un rodéo où les participants prenaient beaucoup, beaucoup de risques. Aujourd'hui, la remise symbolique des vaches se fait sans danger, dans une ambiance festive. Mais la solennité de cet instant demeure. À Barretus, on a le sens de la parole engagée. Une perpétuité, ça doit se respecter. Je ne serais pas complet si je n'évoquais pas un aspect assez particulier et douloureux même de ce traité de la junte, à savoir lors de la pire période de l'histoire d'Espagne, le franquisme, lorsque bien, des familles ont été séparées, puisque beaucoup de républicains sont passés côté français, il y en a eu beaucoup du côté de Laurent notamment, de Montléon, et ces gens-là profitaient de ce moment pour se rapprocher, en se rapprochant de la frontière. Donc ce que l'on sait, c'est que quelques familles mettaient à profit cette journée du 13 juillet pour se retrouver, peut-être casser la croûte ensemble, s'embrasser et se donner rendez-vous pour l'année d'après. Voilà, donc c'est un aspect aussi très symbolique de ce traité, qui est un traité de paix et qui, quelque part, vient tordre le cou à la répression espagnole. C'était une parenthèse heureuse dans cette époque très douloureuse de nos voisins et amis navarrais. En 1968, une époque où la répression commençait à s'éloigner, j'ai eu l'occasion d'accompagner mon père, qui était resté de ce côté espagnol suite à divers événements personnels. Mais il se devait de monter au col pour saluer ses anciens compagnons restés côté français. Il m'est arrivé de voir des scènes tragiques comme celle que va nous raconter Angel. Oui, je connais une de ces histoires dramatiques. Un enfant qui naquit le 18 juillet 1936, un comble, le jour du soulèvement des troupes franquistes.
franquistas. Et son père, membre du syndicat UGT, se réfugie en France. Ils ne se sont vus que 12 ans après, au col de la Pierre Saint-Martin, profitant du traité des Trois Vaches. Je me rappelle avec quelle émotion il nous racontait son histoire, connaître son père à l'âge de 12 ans et dans quelles circonstances. Au final, qu'est-ce qu'on peut dire de ce traité? D'abord, c'est une vraie fierté de savoir que c'est le plus vieux traité de paix européen encore en application. Et évidemment, cette fierté d'aujourd'hui, je suis convaincu qu'elle va perdurer dans le temps et que les générations futures, que ce soit côté Barétous, côté Roncal, vont se faire un plaisir de respecter cette parole et d'en faire un hymne à la fraternité, un symbole fort de ce que doit être l'Europe, c'est-à-dire un pays où les gens coopèrent, s'entendent. Et évidemment, c'est un grand moment de convivialité. Le repas qui suit montre bien qu'il n'y a plus de barrière de langue. On chante en béarnais, on chante en basque, on chante en espagnol. Et on est content et fier de ce moment qui est pour nous, pour ce coin de Pyrénées, la fête nationale avant l'heure, puisque le lendemain, il y a le 14 juillet, et c'est bien utile parce que parfois, on en a vraiment besoin. Non c'è di lei fa me.